Alors voilà, nous sommes jeudi 5 octobre 2015, 12h26. Alors, une chose au sujet de Halloween et du rituel que j'avais fait. Alors, Halloween est la suite, suite au rituel que j'avais fait pour dissolution des liens magiques. À un moment donné, je fais allusion à Inès de la Torre et à Gino Sandri. Et je me suis rappelé d'une chose, en fait, qui s'était passée et que, en relation avec l'abbé Joliot, là, puisque j'ai mis la chose derrière. Alors, on va essayer de vous voir. En fait, il s'agit d'une prière. Je coupe. Voilà, donc on a sa baguette. La voilà. Et on va ouvrir ça. Voilà, alors il s'agit d'une prière que j'avais faite. Il s'agit donc d'une prière que j'avais faite à la demande d'Inès et de Gino. D'ailleurs, c'est l'écriture d'Inès, sa signature. L'écriture de Gino Sandri, et la mienne. Et alors c'était une prière que j'avais fait à leur demande parce qu'ils pensaient, ils se sentaient un peu menacés, je ne sais pas quoi. Qui est le Subtum. Enfin, je peux la lire. Subtum praesidium confugimus sancta Dei genitrix nostra deprecationem ne despicia. Et necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. De divinum auxilium maneat semper nobis cum. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Donc, aux quatre coins, il y a les quatre lettres du tétragrammaton, iode, et, vo, et au centre le shin, de Yeshua. J'avais entouré les noms, la garde avec des gardes runiques. Alors, Node, donc on va pas bien la rune là. PS, alors le chrisme, PS, qui est soi-disant le symbole du prieuré de Sion, paraît-il, dont Gino Sandri est le secrétaire. Gino Sandri, secrétaire du prieuré de Sion, avec sa compagne Inès Latorre, là, tiens, elle n'a pas mis de Latorre, depuis elle a rajouté. Et c'est donc un accord
de paix conclu entre Inès de la Torre, Gino Sandri et Urani Teo, sous les auspices de Notre-Dame, chef de l'ordre. Alors ça a été fait, je ne sais plus quand, il y a quelques années. Et voilà, ça vient de me ressortir là, j'avais complètement oublié. Et c'est ce bon abbé Julio, ça c'est l'abbé Julio, dont je me suis servi une des prières dans l'exorcisme et de la dissolution des liens magiques. Alors l'abbé Julio, la bibliothèque. La bibliothèque là. Voilà, donc qui est l'auteur des prières je me suis servi du livre secret là, des grands exorcismes. Secret des grands exorcismes et bénédictions. Et je m'étais servi de la prière du parchemin. De celle-là. Prière sur parchemin. Alors, ce qu'on arrive à voir quelque chose, ça va bouger de partout. Prière sur parchemin pour délivrer des idées noires, des troubles, des scrupules, des tentations mauvaises, de l'obsession, de la possession, de tout tourment, piège du mauvais esprit. Voilà, c'est donc cette prière dont je me suis servi pour la dissolution des liens. Voilà. Notre accord passé entre Inès de la Torre, Gino Sandri et moi-même, sous les auspices de l'abbé Joliot. C'est marrant, je l'avais complètement oublié, mais c'est ressorti, là, tout à l'heure. Alors, pour finir, en ce qui concerne Gino et Inès, j'ai également ma possession, là, quelque part par là, je vais le chercher, un rituel qui m'a fait parvenir. Rituel des quatre archanges. Et bon, je vais chercher et on reviendra là-dessus. Voilà.